Ah ouais. Putain, je savais pas qu'il passait aussi à Plopsaland. J'ai vu, c'est plus cher que Walibi. Ouais. Étonnant parce que je pensais que Walibi c'était les plus chers. Quelqu'un qui va descendre là-bas. S'il descend, j'ouvre ici, comme ça on entend lui. Et donc on fait quoi une fois là-bas? On fait un peu de décabus là-bas en ville en France. Comme on a pris un ticket de jour. Je sais qu'il y a des O405 GN encore. Si on est chanceux, on en aura. On va prendre le plan, les horaires et tout. Bah oui. Mais quand il t'a demandé tous les horaires d'Anvers. Ça c'est beaucoup quand même. Hein. En sachant que c'est la deuxième plus grande ville du pays. Ouais, c'est eux qui ont le plus de lignes de lane. Première fois que je vais aller dans le pays des camemberts. Première fois que je sors de mon pays de frites mayonnaise. De Carabils Baraki. Eh ben on va pas très vite hein. Mais bon, il y a un cycliste devant. Ah oui, c'est aussi mon premier bus à porte coulissante. Et mon premier BHDS. Enfin, mon premier tour en fait. Bah oui, ça casse deux fois plus vite. Imagine un peu qu'on va en France et puis on commence à parler en flamand à tous les commerçants. Goedendag, meneer. Je me demande s'ils vont comprendre.
pourquoi tu mets son en fait. Attends, mets moins fort. Ah oui, il y avait marqué SNCF, SNCB juste là. Et voilà le poste frontière, je crois. Ah ben voilà, dès qu'on a dépassé le truc là, on arrive chez les camemberts. Et voilà, on est en France. Salut, bande de camemberts. Attends, attends, je vais ouvrir ici, comme ça on entend le bruit. Contrôleur SNCB. Bah même si on est en France, c'est SNCB quand même. Tester la carte mobile française, hein, vu que c'est ce qu'il nous a donné. Et dès qu'on s'arrête, j'arrête la vidéo parce que c'est un peu long.